أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه، خاتم النبيين والمرسلين، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. La fête de Ghadir est une fête qui est la plus importante de l'islam. C'est l'accomplissement de la mission du prophète et la proclamation de la succession du prophète par Ali ibn Abi Talib alayhi salam. En l'an 10 après l'Hégire, après le pèlerinage, au retour sur Médine, le prophète arrive à un endroit appelé Ghadir Khum où il reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset numéro 67 de Surah Al-Maïda, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, wallahu yasimuka minan nas, inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Ô messager, transmets le message qui t'a été révélé. Si tu ne transmets pas ce message, tu n'auras pas accompli ta mission de prophétie. Allah te protégera des gens, Allah ne guide pas les mécréants. Quel est ce message qui est si important que s'il ne le transmet pas, ça annule les 23 ans de la mission de la prophétie? C'est la proclamation de sa succession par Ali ibn Abi Talib alayhi salam comme successeur et calife légitime après le prophète. Donc, après cet ordre, le prophète demande d'attendre ceux qui sont restés en arrière et d'appeler ceux qui sont en avant en disant « Hayya ala khair al-amal »« Dépêchez-vous vers les meilleurs des actes ». C'est ce que nous disons aussi dans l'appel à la prière. Et il y avait plus de 100 000 pèlerins. Il y eut un sermon et dans ce sermon, qui a duré pratiquement 3 heures, le prophète dit « Je vous laisse deux grandes choses importantes, le Coran et ma descendance, le Ahlul Bayt, qui resteront toujours unis jusqu'à la fin des temps. Restez connectés avec ces deux-là pour ne pas être égarés. » Et il a dit « Dieu est mon maître, je suis le maître des croyants, et de quiconque je suis le maître, Ali sera le maître. Man kuntu maulahu fahada aliyun maula. » Quand cela a été dit, un autre verset révélé de Surah Al-Maïda, Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa razitu lakum al-islam dina. J'ai aujourd'hui parachevé la religion, j'ai complété mes faveurs et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc vous voyez l'importance de ce jour qui est l'accomplissement de la mission du prophète, la proclamation de sa succession par Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui est notre premier imam et le premier calife, et l'agréation d'Allah subhanahu wa ta'ala de la religion, de l'islam, où Ali est le successeur du prophète. Allah a envoyé 124 000 prophètes pour nous apporter le message, dont le dernier est notre prophète Mohammed et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a maintenant la succession par les imams. Il y a 12 imams. Ces imams sont les garants de la préservation, de la conservation, de la protection du message du prophète, pour que ce message ne soit pas altéré et qu'il soit appliqué comme le prophète l'a appliqué, comme les imams l'ont appliqué, et c'est ça qui est la porte du salut des croyants. Donc je répète que cette fête est très très importante parce que c'est l'accomplissement de la mission du prophète, c'est la proclamation de la succession du prophète par Ali ibn Abi Talib alayhi salam, l'agréation par Allah subhanahu wa ta'ala de cette Islam complet avec Ali ibn Abi Talib comme successeur du prophète.
اللهم صل على محمد وآل محمد.